La liste indépendante Cohésion, Engagement, Développement, conduite par Badra Ali Sangari, est au contact des femmes du grand marché de Mignan. Le prétendant à la mairie leur dévoile ses projets pour la localité. Ce que nous comptons faire, c'est la question de la bancarisation. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que dans une ville comme Mignan, comme je l'ai indiqué tantôt, qui est chef de la région, qui n'a pas une seule institution financière ici? Les femmes, ce que nous allons faire, bien entendu, c'est d'accroître, n'est-ce pas, le volume de prêts que nous avons accordé aux femmes. Les jeunes auront également des fonds pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire leurs différents projets. Aucun répit pour El Hadj Mori Diakité et ses hommes. Le maire sortant de Mignan enchaîne les meetings jusqu'à pas d'heure pour vendre le label RHDP et solliciter à nouveau le suffrage des électeurs. On a doté notre mairie des engins neufs pour la salubrité. On a acheté une belle flamande neuve. Et aujourd'hui, Mignan a bénéficié d'une station électrique et plus de 1500 poteaux. L'année de la jeunesse, aujourd'hui, on va travailler dessus. Dieu merci, Mignan aujourd'hui est dans le programme de CNTG. Le jour J, j'appelle la population à sortir massivement, à aller faire le choix sur le candidat du RHDP. El Hadj Mori Diakité a annoncé l'implantation d'une institution financière à Mignan dans les mois à venir.